mes parents. Voir comment je suis accueilli là-bas. Ouais, j'ai laissé des bons souvenirs. Et des bonnes victoires. Voilà, les playoffs. Donc, non, je suis content de retourner là-bas. Hein. C'est la maison là-bas. C'est la maison. Je retiens Cholex. C'est une équipe côté sous-côté. Voilà, on était sous-côté. Là, je parle de l'année dernière. Hein. On a prouvé. Et voilà, maintenant, je suis content de voir ce qu'ils font. Et c'est ici que tout a commencé. Jeune, 18, après 3. Première minute pro à plein temps. Ça fait marrant. Ça fait marrant d'être de l'autre côté. Tu as monté les deux. Ah oui, l'enfant prodigé de retour. Connu la maison. Bon, j'attendais ce match avec impatience. Je suis pressé d'être là cet après-midi et de voir les supporters et tout. De voir qui à l'accueil il me réserve. Je m'entendais vraiment le plus avec l'équipe. C'était vraiment un groupe incroyable. On rigolait bien. Voilà, en plus, on gagnait, donc c'était encore plus facile, tu vois. I woke up today. Tu fais quoi chez nous là? J'avais 5 minutes, j'ai oublié de passer dans la live, tu connais. Ça va? Take it easy on us, bro. No, you take it easy. Take it easy on us. 17, average? Hey, drop the scouting report, man. Ici, là. Tout ça, mon gars. Première année. Let me get my rally, man. Oh my god. Lui, il fait toujours des trucs spéciaux. C'est un athlète, mon gars. Special emotions. The key is how to control those emotions. This is where everything started for me. National team. This play is gonna hold always for you, especially part in your heart. Je pouvais qu'attendre qu'on m'appelle et c'était important pour moi de répondre présent au match. Donc, je pense que je passe des caps petit à petit. Voilà, on continue d'avancer et de travailler. Et, c'est une autre expérience, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes standing comme j'ai pu dire. Donc c'est pas mal d'apprendre et d'être jeté dans la cour des grands et des gros joueurs. Comme on connaît tous quoi. Ça fait partie du process surtout. Là qu'il fallait que je passe par là peut-être. Donc ouais, j'ai envie de dire on va voir où est-ce que ça m'amène tout ça. Le but c'est vraiment de rester constant dans mes performances et de rester cohérent sur ce que je sais faire. Et après voilà, au fur et à mesure, l'habitude et la confiance, le travail, bah le reste ça se débloquera tout seul. Hein.